Aujourd'hui, on a même des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut acheter le café de chez BnB. Bienvenue à BnB chez les Cafés Coïc à Plomelin, une entreprise qui date de 1970. Les Cafés Coïc, c'est 50 origines de café Arabica et deux variétés de café Robusta. On va dire que 98% de notre production, c'est du 100% Arabica aujourd'hui. Les cafés Arabica viennent de 18 pays qui sont sélectionnés par nous, avec toujours cette volonté de première récolte, de café frais. Et on a toujours l'éthique et un peu la vision des Cafés Coïc, c'est d'avoir des cafés très clairs, très précis, plutôt tirés sur le fruit que tirés sur l'amertume. Ça a toujours été une volonté. Nos importateurs avec qui on travaille sont toujours à notre écoute et nous faut goûter quotidiennement des nouveaux cafés en fait, pour nous cultiver et pour avoir la culture de l'assemblage. Aujourd'hui, la force des Cafés Coïc et la qualité, c'est de pouvoir assembler du café assez facilement grâce à des outils, grâce à une maîtrise en fait. La particularité des Cafés Coïc, c'est un des cafés frais, c'est-à-dire des productions de l'année qui est en cours, et aussi bien sûr fraîchement torréfié. Aucun stockage chez les Cafés Coïc, au maximum 15 jours de stock pour garantir justement cette fraîcheur à nos clients et la qualité qui doit être au rendez-vous. C'est notre cahier des charges, notre premier cahier des charges. L'idée, c'est de continuer à faire ce qu'on se fait bien, c'est-à-dire avoir des cafés traçables jusqu'au bout. Il faut savoir que par exemple, tous nos cafés sont analysés les mardis et les jeudis par l'équipe. On les goûte, on voit s'il n'y a pas de différence, si les torréfactions sont bonnes, s'il y a des ajustements à faire, on le fait. Il y a une volonté de limiter notre impact sur l'environnement. Déjà un chez le producteur, on a tendance à travailler des cafés traçables, donc de ce fait-là, ça demande une rémunération plus importante du producteur. Et ensuite, il y a cette volonté aussi d'avoir une démarche RSE, très clairement, et de limiter notre impact. Il faut savoir qu'à Concarneau, il y a en ce moment un bateau cargo qui est en train de se conduire, qui sera capable de livrer 1000 tonnes de marchandises sur une traversée. Et on a l'intention, très clairement, avec notre partenaire Belco, qui est notre importateur de café, de travailler dans ce sens-là. C'est un impact aussi au niveau du prix. Encore faut-il qu'il absorbe, et je pense qu'on est tous en capacité de faire un geste pour la planète à ce niveau-là. Ce café qui a été élaboré chez les Cafés Coïc, l'emballage vient de Bretagne. Il a été fait dans l'usine de Perros-Guirec, chez Westpac. Et ce paquet, bien sûr, ils sont stockés à l'intérieur de l'usine pour qu'on soit au même niveau de température que l'usine, pour éviter encore une fois les pertes qu'on pourrait avoir sur des emballages qui ne soient pas aux mêmes températures que le matériel. C'est une clé pour la réussite d'un bel emballage en fait, et d'une belle soudure. Collaborer ensemble, c'était vraiment l'idée de BnB dès le départ en fait. C'était de trouver un acteur local, et ça c'est fort, de lui faire confiance, encore plus fort, faire confiance à une PME, c'est notre cas, on est une petite PME, hein, 150 employés, et trouver ce qui allait plaire aux clients. Aujourd'hui, on a même, je pourrais vous les envoyer, on a même des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut acheter le café de chez BnB. C'est-à-dire que 98% de notre production est dédiée à la Bretagne. Donc c'est une typicité avec BnB qu'on a, c'est qu'on distribue du café Coïc dans toute la France maintenant. On est content de cette collaboration que BnB nous a proposée. Bravo à BnB Hôtel, sincèrement. Après c'est payant.